6 obstacles qui vous empêchent de faire des vidéos sur vos médias sociaux et leurs solutions. Premier obstacle, le manque de temps. C'est toujours la première raison qu'on me dit pour ne pas faire de vidéos sur ces médias sociaux. La solution, c'est le batching. Trouvez vos sujets de vidéos et faites-les toutes en même temps, la même journée, et ensuite le montage, et ensuite vous allez pouvoir les publier sur plusieurs semaines. Deuxième obstacle, le manque de stratégie. Il ne suffit pas de faire des vidéos au jour le jour en pensant 5 minutes entre deux tâches. Pensez à une stratégie, des objectifs que vous voulez atteindre avec votre vidéo, c'est la solution. Le troisième obstacle qui vous empêche de faire de la vidéo souvent, c'est le manque de budget. Bon, premièrement, vous avez un téléphone, pratiquement tout le monde. Vous pouvez faire des vidéos avec votre téléphone en vous équipant vraiment simplement d'un micro et d'un logiciel de montage. Il y en a vraiment des plusieurs qui sont gratuits ou vraiment pas très dispendieux. Et aussi, c'est important de prévoir la vidéo comme tout autre élément marketing dans votre promotion. Prévoyez-le dans votre budget marketing. Le quatrième obstacle, je viens d'en parler, c'est le manque d'équipement. Évidemment, vous avez votre téléphone, je vous ai suggéré un micro et un logiciel de montage, mais vous savez aussi qu'il y a des caméras qui ne sont vraiment pas dispendieuses, comme une GoPro, avec laquelle vous allez pouvoir faire des centaines et des milliers de vidéos. Ensuite, le manque de connaissances. Oui, mais Nancy, comment ça marche tout ça? Eh bien, il suffit de se former une fois, deux fois et de pratiquer. Ensuite, ça devient comme une seconde nature. Mais l'obstacle ultime qui nous empêche de faire de la vidéo sur nos médias sociaux d'entreprise est assurément le manque de confiance. On n'aime pas se regarder à la caméra, on n'aime pas le résultat, on trouve donc qu'on n'est pas parfait. Mais c'est correct sur les médias sociaux, c'est correct si ce n'est pas parfait. Ce qui est important, c'est que ça soit fait. Le seul moyen de pallier au manque de confiance est d'essayer, de pratiquer et de recommencer. N'hésitez pas aussi à vous faire coacher par des professionnels qui peuvent vous aider à vous rendre à l'aise devant la caméra et vous donner des trucs. En conclusion, tous les obstacles pour faire de la vidéo sur vos médias sociaux ont des solutions. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils.